Salut à tous, ici Skigo. Et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour RK. Et lui aussi, ça faisait un petit temps. Et on est content de le retrouver parce que j'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par son dernier album, Rêve de Gosse. Enfin, ils ont beaucoup mieux préféré son premier album. Donc, ils attendent vraiment un retour de force. Après, je parle pas de tout le monde, je ne généralise pas. Mais j'ai entendu beaucoup des avis mitigés par rapport à son dernier projet. Du coup, j'espère qu'ici, il va nous sortir quelque chose qui va taper et qui va nous surprendre et nous donner d'espoir pour son futur album, qu'il a du coup dû repousser à cause du confinement. Voilà, est-ce que toi, tu as des attentes particulières par rapport à lui? Parce que je sais bien, bon, RK, t'es pas grand fan, mais les morceaux que je t'ai fait écouter, t'as quand même pas mal apprécié, surtout les sons mélodieux qu'il a fait. Ouais, voilà. Du moment que ce sont des morceaux toujours mélodieux, je préfère ça, tu le sais. Bah pour moi, c'est bon, quoi, tout simplement. Quoi. Voilà. Du coup, bon, ici, je sais pas si ce sera hard ou mélodieux, je n'ai pas écouté. Mais juste à savoir, c'est pas un vrai clip. Encore une fois, bon, avec le confinement, ce serait compliqué. Du coup, ici, je vois, c'est une lyrique vidéo. Donc, à mon avis, c'est juste les paroles, quoi. Avec peut-être un petit montage derrière, je ne sais pas. Le principal, c'est quand même la chanson hein, qui est voilà. Le plus important. Exactement. Donc, le titre, c'est FAC. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Fac. T'es un génie. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Lavez-vous les mains. Merci du conseil. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Ah, on a crooné. Décidé ouais. De renforcer encore les mesures ah, c'est bien. Pour 15 jours au moins. Nos déplacements seront très fortement réduits. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Pixelisé. Ouais, c'est génial. De faire une garde à vue. Il y en a toujours un, faut qu'il ferme sa bouche. Parce qu'après, il y aura pas d'excuse. Sa mère, je suis RK, j'ai pas Canal Plus. Nouvel album, c'est une catapulte. Parlez-moi pas, je suis dans ma bulle. En bas, ta force et tu balles la bulle. On t'arrange de fou, mes potos t'abusent. Y'a savoir le faire et y'a le compte rendu. Tu fais rentrer l'oseille et je suis dans la cul. Je suis dans ma cité. C'est tous des petits marions. Ils sont devenus policiers, apparemment. Pourquoi y'avait personne en temps de crise? Pourtant, quand je klaxonne, monte la vitre. C'est quoi ce clip? Oula! Oh! Mais comment il s'est dit je vais faire un clip pareil? Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos culs. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos culs. Mon pote c'est la merde, j'ai les flicots. Dégage. Mais du coup c'est un peu comme Lorenzo avec son clip d'Animal Crossing là. Ouais, tout à fait. C'est le même délire. Tous les rappeurs jouent aux jeux vidéo pendant le confinement. C'est trop facile de démarquer le gros. Je suis caisse de prof, mais je suis toujours à la bourre. Fais des malades dans le gros, je suis dans ma tour. J'attends le jour où les tics viendront casser ma porte. Je suis dans mon bâtiment, je suis dans l'escalier. On s'en fout que c'est mort, c'est le sali. Je mets que des paliers. Viens en patate, je suis un sali. Meilleur clip pour moi. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos culs. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. Dans la boîte aux lettres, pas ça pue, elle sue. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos culs. Je crois qu'RK il en a marre du confinement. Hein. Ah, mais si ça lui permet de faire des clips pareils, moi je suis content. Hein. Oui, c'est bien sûr. Ça parle à mon âme de geek. Ouais, c'est pas mal fait en tout cas. Incroyable. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Et même, tu vois, s'il avait sorti la. Enfin, si quelqu'un, un artiste random, avait sorti la vidéo sans musique, rien, tu vois, juste pour créer un petit dessin animé,
Mais déjà, ouais, rien que ça, ça peut faire des millions de vues, quoi. Mais en plus, il y a une chanson, un banger. Mais je suis choqué, enfin, je me demande combien de vues est-ce que ça va faire. Quoi. Comparé à Lorenzo, au moins, ici, il y a un peu d'action, quoi. Oui, tu vois, oui. C'est Lorenzo, beaucoup mieux fait. Il court tout seul, là, bon, on veut bien, mais il tire deux, trois fois. Mais ici, au moins, c'est un peu plus en mouvement, quoi. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus développé. Voilà. Et le réalisateur, là, vraiment, tu sens qu'il a mis le paquet, quoi. C'est ouf. À mon avis, si le confinement continue, ils vont tous se brancher sur la création de jeux. Ouais. Je sais pas. Faut que tous les artistes fassent un clip jeu vidéo. Oh, ce serait tellement bien. Et sinon, pour la chanson Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'autotune, c'est pas mélodieux, c'est pas drôle. Non, mais bon. Il y avait du rythme quand même, non? Ouais, mais. Ouais. Ouais, bon, ça ne te parle pas. Le flic au cul, les flics au cul, bon, on revient. Oui, bon. Bon. C'est plus le cas maintenant, il parle un peu de son passé, je pense. Hein, tu vois. Maintenant, c'est un mec bien, je pense. Oui, mais c'est peut-être aussi si justement tu respectes pas le confinement, bah t'as aussi les flics au cul. Donc, ça, je sais pas, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se baladent dans la rue, ils ont pas de soucis. Hein, les gens sont arrêtés quand on les X. On te permet certaines choses, hein, de toute façon, mais bien sûr, t'as toujours des élus berlus qui. Mais RK, je pense qu'il respecte le confinement. Je pense en fait, beaucoup d'artistes ils en profitent pour enregistrer des morceaux et travailler au studio. Comme Jules. Oui, exactement, comme Jules, voilà. Et il n'y a pas que lui, je suis sûr aussi que PNL et tout, ils sont... Oui. Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire Donc ça, c'est bien vu. Tous les rappeurs, maintenant, ils sont productifs de fou, enfin j'espère, en tout cas. Je sais bien qu'il y en a sûrement qui sont flemmards un peu, qui n'ont pas envie, ça je peux comprendre. Mais pour les vidéos, c'est plus compliqué, c'est vrai que là, il faut plutôt, aller peut-être comme ici, créer des petits films par rapport à des jeux, quoi. Mais voilà, mais c'est du génie, justement, quoi, ouais, de détourner le fait de ne pas pouvoir faire de clips en vrai, d'en faire un truc pareil, et en plus, c'est super bien travaillé, quoi. Et en plus, il y a un scénario, quoi, du début à la fin, il se fait courser, et il passe de plein d'environnements différents. Oui, il y a beaucoup de références par rapport à Mario, hein, le fait que voilà, qu'il s'y grandit, en fait, comme les champignons, quoi, donc... Exactement, bien vu, ça, bien. Ici, il y a vraiment une recherche, hein. Mais c'est vrai que pour les jeux, ça s'adresse toujours plutôt aux jeunes de toute façon, mais c'est... Bah pas trop jeunes non plus, parce que Mario, c'est sorti quand c'était pas sorti dans les années 80, un truc pareil. Mais donc, les gens qui ont connu ça quand ils étaient petits, ben maintenant, ils sont oui, c'est pour ça, moi, je dis, voilà, ben je dis, pour moi, bon, je connais aussi les débuts, malgré tout, de Mario. Voilà, toi aussi, t'as connu ça, hein, quand quelques, on jouait... Ah oui, mais j'avais des fameuses difficultés, quoi, hein. Donc j'étais pas au top, quoi, j'ai jamais réussi, je crois, à arriver jusqu'au bout. C'était compliqué. Mais la référence, elle y est, ça c'est je le dis, c'est bien fait, un chapeau, franchement. Mais franchement, qui aurait cru que RK sortirait un clip comme ça? Mario, GTA mélangé pour un de ses sons banger. On est où là? Enfin, le monde n'a plus aucun sens, en fait, j'ai l'impression, depuis que le confinement a commencé, il y a un bug, une faille dans la matrice. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, les rappeurs sont créatifs de fou, quoi, c'est... Content. Chacun se remet peut-être un petit peu en question, quoi. Dans quel sens? Ben justement, ceux qui avaient l'habitude de faire des vidéos avec des vues de mer, bateaux, des Ferrari, tout ça. Ouais. Maintenant, du fait du confinement, ben voilà, quoi, c'est un peu limité. Et on se crée un petit monde avec justement avec des petits personnages de jeux. C'est ça. Voilà. Chacun se crée un petit monde. Chapeau aussi, franchement, il faut le dire, c'est bien fait. Hein. Ce qui conclura la vidéo sur RK et sa FAC, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, faudra faire des petites recherches, ou bien dites-le nous dans les commentaires. Flic au cul. Oh mais je suis débile, moi. Bah, pourtant, il l'a dit pratiquement tout le morceau, hein. Oui, bah oui. Bah, insultez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, je le mérite. En tout cas, les potes, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Mon pote, c'est la merde, j'ai les flics au cul. Mon pote, c'est la merde, j'ai les flics au cul. Dans la boîte aux lettres, bah ça pue, elle sue. Dans la boîte aux lettres, bah ça pue, elle sue. On respecte ta mère, petit fils de pute. Sinon, on serait déjà chez toi. On gère nos affaires comme on gère nos tubes.